Tov et Reftov. Reftov et Reftov. Hashem, Hashem, Naaseh v'Nasliach. On est aujourd'hui, ce soir, plus exactement lundi, Kavdalet be'Elul, le 26 du mois de septembre, le Chaim Tovim u'Shalom, le Elul Nishmat, Kol Mete Yisrael Bichlalam, Morenu v'Rabbenu Arav, Chaim Yosef, Ben Simcha Sitruk, Zichronu v'Racha, Zchutot Egen Alenu, V'yem Alnit, Be'ezrat Hashem Tov, Be'ad Kol Am Yisrael, Imagula Shlema. Un homme d'une grande envergure nous a quitté, un homme exemplaire, mais qui a quand même laissé, on peut dire, une autre personnalité qui, à mon humble avis, ne sera pas loin de le rejoindre au niveau de sa grandeur. C'est le Rav Yaakov Sitruk, un homme que j'aime particulièrement aussi. Aussi pour l'élévation de l'âme de tous les métiers Israël ou Bichlalam Israël ben Esther. Et refouach lema lechol echad mikem zchut Rabbi Nachman ben Vega tagen alenu lechaim tovim u'shalom. On est dans le Soda Chashmal. On va étudier aujourd'hui le fonctionnement d'un des systèmes de la création du monde, du troisième jour de la création, où le soleil, la lune et les étoiles ont été créés pour qu'ils soient des simanim, des signes pour nous, pour le jour, pour l'après-midi et pour la nuit. C'est-à-dire que dans le texte de la Torah, comme le précise Rashi, quand on nous parle du soleil, c'est pour nous indiquer le jour. Quand on nous parle de la lune, c'est pour nous indiquer la nuit. Quand on parle des étoiles, c'est pour accompagner la grandeur de la lune qui a perdu de sa clarté, car elle portait plainte à l'époque en disant à Dieu, on ne peut pas mettre une couronne sur deux têtes, puisque le soleil et la lune étaient du même niveau, étaient aussi brillants l'une que l'autre. Alors le créateur du monde demanda à la lune de suivre lui-même sa propre réflexion et de se rendre plus petite. Ainsi donc, ça ferait le roi, la reine et les enfants, de façon imagée, quand on parle du soleil, de la lune et des étoiles. Mais en réalité, les trois viennent nous indiquer comment servir le créateur du monde. Quand on se lève à l'aube, on a le soleil qui apparaît. « Zekeneged tfilat shaharit ». Quand le soleil descend et que la lune commence à apparaître, Zetfilat Mincha, et quand, à partir de quand on fait Arvit, dit le Rambam, dès que les étoiles apparaissent. Donc on voit que la lune annonce l'un par rapport à l'autre, le soleil Shaharit, ça ferait qu'en fin de compte, ça nous ferait, comme ça au niveau du Seder, l'un, le soleil Avraham, la lune c'est Yitzhak, et les étoiles c'est Yaakov, en grosso modo. Dans la prière de Arvit et aussi de Shaharit de Shabbat, car il faut savoir que ces temps-là sont des temps un peu spéciaux, on nous dit que le Créateur du monde remet tous les jours le système planétaire dans lequel nous vivons en question et qu'il le nettoie. À Arvit, nous disons « Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es à toi donc Hashem ». Ata c'est Ensof Baruchu, Elokenu Melech Haolam, notre Dieu est le roi du monde. Asher Bidvaro, qui par sa parole, Ma'ariv Aravim, Mel, si vous préférez les soirées, la nuit, Bechochma, qui vient du monde de la Spirat Achochma. Je ne vais pas faire un cours sur la prière de Arvit, aval sachez que tout ce que l'on dit, c'est d'une importance capitale pour la survie d'une humanité. Poter Sharim Bidvuna, qui ouvre les constellations en réalité par le biais de la Spirat de la Bina. Meshane Aitim change le temps, ou Mahalif et Azemanim et change les horaires, ou Msader et Akochavim qui place et réinstalle les Kochavim, les étoiles. Donc s'il a besoin de faire tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit Msader et Akochavim, il replace les choses, il ouvre certaines dimensions dans l'espace que l'on ne comprend rien du tout, qu'on appelle des trous noirs. Dieu les place, il les retourne. Pourquoi tu as besoin de faire tout ça? Ça veut dire que ce n'est pas... Non, c'est, tout est parfait. Ça veut dire que ce n'est pas... Non, bon, laissez tomber. Ce n'est pas statique. Ça veut dire que ça veut bouger dans tous les sens. Et si ce n'est pas Dieu qui l'empêche, le soleil ne pourrait pas rester une seule seconde à sa place. Umsader et Akochavim. Tous les jours, on dit ça. Ça veut dire que tous les jours, Hachem... Il est obligé de maintenir un équilibre dans l'espace. Lama. Bore yomam valayla. Vas-y, bore yomam. Bara yomam valayla. Bore, c'est du présent. Donc, tous les jours, le créateur du monde, qu'est-ce qu'il veut faire?
Il veut renouveler le jour, il veut renouveler la nuit. Ça veut dire que c'est pas un acquis du tout que le jour soit un jour, le lendemain. Quand ça arrive, vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer combien il y a eu des guerres dans le ciel. Et des guerres contre qui contre quoi? Qui se bat contre qui? Les anges. Les anges se battent et refusent de travailler dans ce système. Et Akadosh Baruch Hu, comme une espèce d'échiquier, il est obligé en tant que roi des rois de remettre tout le monde à sa place. Pourquoi les anges ne tiennent pas leur place? Un ange, il doit obéir à Dieu. Vous allez comprendre. Golel or mi pene hosher. Ve hosher mi pene or. Golel, il fait rouler en d'autres termes. Il fait apparaître la lumière de l'obscurité et l'obscurité de la lumière. Amaavir yom ou mevilaila. Il fait passer le jour et il apporte la nuit. Ou mavdil, il fait la différence entre le jour et la nuit. Bon, ceci étant, au niveau du pshat, si on restait tel qu'on est ici, c'est quand même incroyable et même effroyable. Parce qu'il faut savoir que dans le pôle Nord, ouais, vous avez six mois de jour et six mois de nuit. Alors que dans le système de la Terre, bon, ah pour ça, il faudrait que j'ai un dessin pour vous montrer comment ça se passe. Lui, le Soleil, en réalité, il ne bouge pas de sa place. D'accord? C'est un satellite qui ne bouge pas. Lui, il est fixé. Autour de cette étoile, les scientifiques appellent ça une étoile, le Nonachon, Bichlal. Si la Torah te dit que ça s'appelle le Chama, et qu'une étoile, ça s'appelle Kochav, qu'est-ce que tu es en train de me dire que ça, c'est une étoile? Bon, ils aiment bien une grosse étoile qui brille plus haute que les autres. On va leur donner ce crédit-là. Ce n'est pas un problème. Ça ne dérange pas dans l'étude. Aval, le soleil, lui, ne bouge pas. Mais par contre, la Terre, elle, bouge à une vitesse qui dépasse l'entendement humain. On parle de plusieurs millions de kilomètres. Et elle va arriver à finir son cercle dans l'espace. Ouais. Au bout de... 365. Bonne réponse. 365 jours. Et elle va tourner de façon comment? La Terre tourne sur elle-même, à une énorme vitesse. Mais comment est-ce qu'elle tourne? Elle ne tourne pas droit. Elle tourne de façon oblique, un peu penchée, même plus qu'un peu. Et pourquoi? De telle façon à ce que le soleil brille de façon à éclairer cette partie, mais pas l'autre partie qui commence à s'éclairer dans sa façon oblique. Mais un truc de fou. Maintenant, il va falloir que dans cette vitesse folle, dans l'espace, cette planète bleue qu'on appelle la Terre, ne dévie pas de sa trajectoire. Ça veut dire ce qu'il y a de Péléplaïm. Ce qu'il y a de Péléplaïm et d'incroyable, c'est que si on devait prendre un compas, si on imaginait qu'on soit des géants si grands, qu'on serait beaucoup plus grand que la Terre, ouais, et si je prends un compas qui fait le tour, vous verrez que la Terre tourne de façon absolument parfaitement ronde dans l'espace. Et elle tourne sur elle-même à toute vitesse. Et elle tourne en même temps autour du Soleil. Oh! Et c'est pareil pour la Lune. La Lune aussi tourne. Les autres planètes ont un tafkid. Tout ça va influencer sur quoi? Sur la prière de Shacharit, de Mincha et d'Arvit. Les planètes ici, en réalité, elles ne font pas que tourner. Elles sont maintenues chaque jour par un grondement divin. Le créateur du monde, il dit, calmez-vous maintenant les anges qui dirigez mes planètes. Chaque chose, chaque énergie qui vit, c'est un ange. Ce qu'on va voir tout de suite dans le texte. Et le créateur du monde, chaque matin, chaque nuit, est obligé, donc le matin, Shacharit et Arvit, il est obligé de maintenir le monde. Regardez, je vous relis, maintenant. Asher bidvaro ma'ariv aravim b'chokhma, potar shem b'zunam, shenei iti umahad et zemanim, umsader et akochabim, b'mishmerotem et les shmirot. Ouais. Ahavat olam b'tzcham ikhaavta. Tout ça pourquoi? Pour la suite. Ahavat olam, parce que le créateur du monde, quoi? Il aime ce monde. Qui? Bet Israël, pour le peuple juif. Waouh. Amecha Aavta, car tu l'as aimé. Torah Mizot Ronkim Mushpatim. Pourquoi Dieu il permet de faire ça? Qui fait vivre le monde? Ceux qui font la Torah, les Mizvot et les Mishpatim. Sinon, le monde il ne tourne pas. Wow. Alken Adonai Lunu Shorbenu Komun Asir Bechukecha. C'est pour ça que le matin et le soir, Mazé Ur Shorbenu Shochev, prière de Arvid, Uf Kumenu, prière de Shacharit, Nasir Bechukecha, nous viendrons en contrepartie de cet échange. Que toi, tu nous donnes l'atmosphère, la stratosphère, l'espace où il fait moins 222 degrés à l'intérieur là-bas, on peut vivre. Écoutez bien. Venis, mahvenalos, bidivret, amutola, trom, zadra, bechoukatra, mabet, ki, em, haïno, verachimon, ben, gamma, laïla, batra, l'otsumi, menou, l'olamim. Et c'est comme ça qu'on finit, que la Torah est notre longévité de vie, quel est le principe même de notre existence, et ainsi de suite. Le matin de Shabbat, vous savez que Shabbat n'est pas comme les autres jours. C'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Yotzer Or Borech Hosher, qui a créé la lumière, Nachon, pardon, qui a formé la lumière et qui a créé la nuit. Osé Shalom,
il fait la paix, ou Boré est à col. Jusque-là, on peut penser qu'on parle de nous. À col, il doit comme je crois, avec comme le cadeau, hein. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Écoutez bien. Et tous les matins, tous les jours, le Créateur du monde est obligé d'ouvrir les portes de l'Est. On parle de l'espace. Ou Borkea Haloné Rakia. Et il ouvre les fenêtres de l'espace. Motsi Hama Mimekoma. Il sort le soleil de son endroit. Ulvana Mimekon Shifta. Et la lune d'où elle devrait sortir. Ou Meir la Olam Kulo Birvodo. Ou Meir la Olam Kulo Ulyoshvav. Qui viendra éclairer le monde et tout celui qui y réside. Chez Berab Midat Arahamim. Et tout ça parce qu'il a créé dans une énorme miséricorde. On n'a pas fini. A Meir la Ares de la Darim Adab Arahamim. Qui vient donc chauffer et éclairer le monde dans sa grande pitié. Dieu a créé la chose la plus invraisemblable qu'on appelle le soleil. Celui qui ne croit pas en Dieu, la vérité, s'il étudie de façon scientifique le soleil, et qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, pour moi c'est un débile mental. Comme je vous l'ai déjà dit, le magma qu'est le soleil, cette étoile qui brûle à 70 millions de degrés, se trouve dans un congélateur depuis des millions d'années. À moins de 222 degrés. Il n'est branché à aucune énergie. Normalement, ce devrait être une boule de glace. Essayez autant que vous voulez avec de l'essence dans un congélateur. Si ça se trouve dans un congélateur, on parle d'un congélateur à moins 10-12 degrés, mais je vous parle de moins 222 degrés. Au bout de 1000 années, si c'est à 70 millions, c'est une boule de glace. Ce qui est de plus impressionnant, c'est que le soleil n'a pas descendu un seul degré. Au contraire, il chauffe encore plus. C'est bizarre. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas une prise qui le renouvelle. Ouais. Quand ton portable, il est à 100, que tu traînes avec toute la journée et que tu appelles, tu regardes le soir, il reste combien? 30%. Il va falloir que tu prennes cette espèce d'appareil où tu le branches à une prise pour le renouveler, son énergie. Le soleil n'est pas renouvelé. Qui renouvelle son énergie? C'est ce que vous dites dans la prière. C'est Dieu qui renouvelle. Dans la prière, ce que vous dites. C'est moi qui renouvelle. T'es bête ou quoi? Comment tu veux que le soleil se renouvelle? Ouftuvo mechadesh bechol yom. Écoutez bien. Ouftuvo, dans sa grande miséricorde pour le bien, en l'été à l'épisode, comme le monde a été créé pour faire du bien, il est marqué Ouftuvo. Donc pour le bien, qui se fait faire mechadesh. C'est lui qui remet l'énergie tous les jours. Bechol yom. Tamid ma'ase bereshit. Ce que j'ai créé à la création du monde. Je suis obligé moi-même, dit le Créateur du monde, de le renouveler chaque jour. Pour qu'il puisse encore exister. Et qu'est-ce qu'on nous répond en tant qu'humain? Malabouma asecha donai kula mechokma asita. Malearetz ki anecha melecha meroman vadome azam shubach vamitasim matolam ilonam berchamecha rabbi onam. Ça, c'est ce qu'on dit nous en tant que juifs dans la prière, le matin et le soir. On ne vénère pas Hazé Shalom comme les Incas, ni le soleil, ni comme d'autres religions qui vénèrent la lune, et encore moins l'étoile, le croissant qui s'y trouve. Mais il est certain que ces deux méorotes sont des astres qui vivent. Ce sont des astres qui vivent parce qu'ils nous font vivre. Et un mort ne fait pas vivre un vivant. Mais les Fichar, qu'est-ce qui vit dans le soleil? Qu'est-ce qui vit dans cette énergie? C'est l'issue du Sod HaChashmal Perek Bet à la page Resh Dalet Aleph. Et la question du titre est le suivant. Filat Shacharit Mipalelim Imashemesh. Nous faisons la prière de Shacharit avec le soleil. Ou mincha imayareach, et la prière de mincha avec la lune, ve'arvit imakochavim, et la prière de arvit avec les étoiles. On va voir ici une étude très intéressante à propos de cette guerre d'espace qui se passe pour que le Créateur du monde soit constamment, entre guillemets, sur ses gardes, parce que ces astres-là ne sont pas des astres éteints, ce sont des astres qui ne supportent pas qu'on manque de respect à Dieu. Et donc, comme ils sont les témoins de ce qui se passe sur Terre, ces astres-là n'ont pas envie de briller le lendemain du tout, si ce n'est pas un ordre de Dieu qui est Mechadesh Bechol Yom Tuvoma Sebereshit. Ça veut dire que tous les jours, le soleil fait manifestation et refuse de venir briller sur la Terre. Refuse. Comment ça se passe? C'est ce qu'on va étudier. Le prophète Isaïe a dit « Imlo beriti yomam valayla chukot shomem varet osamti » Si ce n'était pas par le biais de l'étude « Evlet tinokot shel bet rabban » Et pourquoi Dafkan dit « Evlet tinokot shel bet rabban » Si ce n'était pas par la bouche des petits qui étudient dans les Talmud et Torah, le ciel et la terre cesseraient d'exister. Pourquoi? Qui est comparé aux petits élèves qui étudient la Torah?
On n'a pas le temps. C'est les étoiles. Qui est comparé à la lune? Ce sont toutes les femmes d'Israël qui sont pudiques et qui enseignent à leurs enfants et qui respectent leur mari et qui se battent pour le nom d'Hachem. Qui est comparé au soleil ou Ba Hachemesh? C'est les tzadikim. Comme ça vous saurez. Dans le monde d'en bas, d'où est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on voit ça dans une seule paracha? Que le soleil c'est le tzadik, la lune c'est la tzadeket, et que les enfants c'est les étoiles. Dans le, sef, dans le rêve de Yosef HaTzadik, sauf paracha de Vayeshev, non pas sauf début, paracha de Vayeshev, Yaakov, si je me rappelle bien c'est là-bas, je ne me rappelle plus de tête comme ça, j'ai un peu mal à la tête ceci étant. Qu'est-ce qu'il dit Yosef HaTzadik? J'ai vu le soleil et la lune, j'ai vu le soleil. Qu'est-ce que répond Yaakov? Tu as rêvé de moi et de ta mère, ben pourquoi tu prends pour un soleil? Tout celui qui est tzadik est appelé soleil, parce que de sa splendeur, de son enseignement, comme le Rav Yosef Citruc à la Vachalom, c'était une lumière des rayons Rabbi Moshe Deri, tous ces grands de la Torah, quand tu vas chez Rabbi Nachman, quand tu vas chez Rabbi Lubavitch, quand tu vas voir... Le Rav a dit Yosef, tu allais le voir pour une question, tu sortais ensoleillé. Ce sont des soleils parce qu'ils éclairent l'obscurité de ton ignorance. Leur émanation, leur confiance en Dieu, c'est un soleil. Par contre, les femmes, elles sont pudiques, elles restent cachées dans l'obscurité, elles sont dans la tente. Mais elles tiennent la notion de arbitre. C'est quoi arbitre? Alpi Kabbalah, la prière de arbitre, elle vient lutter contre le Erev Rav. De qui dépend essentiellement l'éducation des enfants? De la maman. La maman, elle est tout simplement comme la lune qui éclaire dans l'obscurité l'éducation des enfants. Mais la lune prend son énergie de qui? De son mari. Donc plus son mari, Bezrat Hashem, une fois de plus, je le relance avant Rosh Hashanah, brillera comme un soleil pour sa femme. Que rien ne passe avant elle, que Bezrat Hashem il la gâte, qu'il lui dit combien il l'aime, qu'il fasse de sa femme une femme brillante, alors elle donnera tout ce qu'il faut à ses enfants. Tout ça, ça dépend du mari. C'est le Chama qui donne ses rayons à la Yareach, c'est-à-dire à la lune. Et c'est qui? Hateskri Kochavim. Pourquoi est-ce que Reuven il a voulu sauver Yosef? Il a dit, oh, mais moi j'ai fauté, j'ai déplacé la couche de mon père, vous rappelez? Ouais. Mais moi, donc, j'ai pas de monde futur. Et quand il a entendu de la bouche de Yosef 11 étoiles, il a dit, attends, on est 12. S'il l'a rêvé, il est sorti, donc 11, c'est moi. C'est-à-dire qu'il m'a vu à l'intérieur de son rêve. Je vais tout faire pour qu'il se réalise son rêve. Ainsi donc, j'aurai une monde, on part au monde futur. Ça, c'était l'intérêt de Réhouven. Manien. Ah, ben, qu'est-ce qu'on a vu ici? Yaakov, le soleil. Rachel, la lune. Les enfants, les tzadikim. C'est Perusha d'abord. Comme c'est un peu long, ce que nous avons à faire est très prenant et intéressant. On commence tout de suite. Alors, Fabba Jean-Marc. Jérémy, vous ne venez pas en face. Non, ça va comme ça. Quelle humilité. Le Midrash, Vaïcha Rabba, nous dit Amar Rav, c'est Chabesha, c'est Galgal, Chama, Ulvana, Nichnassim, Litol, Rishut, Mifna, Kadosh, Baruchou. En M, Keot, Miziv, Ashkina. On me vakshin, Latset, Ulaïr, Laolam, Venam, Ruim, Klum. Tous les matins. Avant de sortir dans un moment précis de l'histoire qu'on appelle le matin, c'est-à-dire quand? Pas le Netzachama. S'il y a le Netz, il est déjà sorti le soleil. Alot HaShahar. Quand vient pour monter le Shahar, c'est-à-dire le matin, les étoiles viennent prendre chez Dieu un rendez-vous. Quand on parle des étoiles, on parle du soleil, la lune et les étoiles. Okay? Pour savoir si oui ou non elles devront briller. Bizarrement, regardez ce qui a marqué. L'itol reshut, elles viennent prendre la permission de Dieu. Milifne Hashem, et ne aime que hot mizibashrina. Et leurs yeux s'assombrissent devant l'intensité énorme de la lumière du Créateur du monde, qu'on appelle dans le dévoilé la Shekhina. La terre la éclaire en l'âme. Et il demande à Dieu, est-ce qu'aujourd'hui on va encore faire briller le monde? Le Créateur est un amrim kloum, donc ils ne voient plus rien. Ma Kadosh Baruch Hu Oselaim, qu'est-ce qu'il leur fait, dit Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il leur fait, disent les Chachamim, au soleil et la lune? Donc bien entendu, quand on dit soleil et la lune, on parle de des anges. D'accord? La lune en elle-même, c'est pas, ça ne bouge pas, c'est rien. Tout ce qu'on dit comme ça, c'est uniquement les anges. Ils viennent et les anges sortent aveuglés. On parle des anges du soleil. Sortent aveuglés parce qu'ils se sont présentés devant la Shrina, ce qui fait que Enem Keot Velorim Klum, alors que c'est eux qui dirigent le soleil. Morel Ifneem Chitzim. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu?
comme ils n'y voient plus rien pour retourner dans leur poste de lumière et éclairer le monde, Akadosh Baruch Hu leur envoie des étincelles. Chitzim, ça veut dire des flèches dans l'absolu. Il leur envoie, comme tu dirais, des étincelles pour les guider de la Shrina. Les Oram Ada ou Dirtiv, comme c'est marqué d'ailleurs, Shemesh Ariach Amad Zevula le Or Chitzecha Yalechu. Ils se sont présentés devant toi, le soleil et la lune, mais se retrouvent dirigés par des étincelles lancées par le Créateur du monde lui-même. Waouh! Nir Eda Hamal Vana Merov Dushatam, Mekablot Merkadosh Baruchu, Chenichnasot Litol Reshut. Il dit comme ça. On sait que le soleil et la lune fabriqués des mains de Dieu lui-même, Dieu n'a pas de mains, ils ont été fabriqués par la parole de Dieu, sont d'une grande kedusha, mais quand ils osent se présenter devant Hachem, ils ressortent complètement aveuglés de la kedusha, d'une supériorité incompréhensible pour l'homme. Et il faut savoir que dans ce monde d'en haut si parfait, eux-mêmes ne sont plus capables de retrouver leur chemin, si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui envoie de façon imagée pour nous des chitim, c'est-à-dire des sortes de flèches, d'étincelles pour les diriger et retrouver leur place. Pourquoi ? Betoch olam aklipot. Comment s'appelle le monde dans lequel ils doivent intervenir ? Le monde des klipot. Ce qui fait que le soleil et la lune tremblent tous les matins quand ils se réveillent pour l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est un monde rempli de péchés, de mensonges, d'orgueil, de zera levatala, de jalousie, de toutes sortes de mauvaises choses, qui, écoutez bien, un truc de fou, qui empeste l'univers dans lequel gèrent le soleil, la lune et les étoiles. C'est-à-dire que quand ils rentrent, un peu comme les Japonais qui mettent des trucs comme ça, ils n'y retrouvent pas leur chemin tellement ils sont remplis d'amour, ces anges-là, pour Dieu. Ils n'y retrouvent pas leur chemin parce qu'ils sont encore éblouis de l'ordre divin, de oui, continuer à éclairer tout ça, mais dès qu'ils retournent dans leur place pour éclairer le monde, c'est-à-dire que maintenant ils vont briller pour les rapot et taolam, alpi kabbalah, vous verrez plus tard ce que ça veut dire, soigner le monde, ils sont étouffés, ces gens. Et vous allez voir de quoi on parle. Oula ira olam niskakot les siwa shel chitzim et hachem. Les clipotes d'un côté sont tellement épaisses et derrière eux ils sont encore dans la lumière de Dieu. Les chitzim elu em prinat chashmal. Donc c'est une énergie dont on parle. L'elma amar chashmal keshel. Shel chaz, on avance. Comme c'est marqué dans le Midrash, dans le Ilkut qu'il a Kohelet, il y a marqué comme ça, pardon. Shmona malachim yesh lachama. Combien est-ce qu'on a d'anges pour diriger le soleil? 8. D'accord? D'ailleurs, si vous regardez bien, le mot soleil en hébreu se dit comment? Chama. Qui vient du mot hébraïque, qui mot chom, qui veut dire chaleur. Mais comme cette chaleur engendre du bienfait sur terre, donc elle engendre quelque chose d'autre, c'est pas Ham, mais Chama, qui veut dire du féminin. Chama, c'est devient féminin, qui veut dire une chaleur qui engendre un bien-être sur terre. Seulement, il y a un problème aussi, je vous le dis comme ça, les lettres du mot Chama, en réalité, c'est Shmoné Malaché Asharet. Si vous regardez bien les initiales, Chet, 8, Shmoné. Ensuite, tu as le même, Malaché, He Asharet. Les 8 anges du service. C'est les lettres du mot Chama. Maintenant, comment ils sont placés dans le soleil? Il y en a 4 devant et il y en a 4 derrière. Une question avant de continuer la lecture. Pourquoi faire? Pourquoi 4 devant et 4 derrière? La main. Pour l'accompagner. Bah, 2 auraient suffi. Hein. Pour accompagner un Khatan, il faut 2 personnes. Même 1 personne suffirait. Lama, Shmoné, Lama devant et Lama derrière. Bon, on n'a pas le temps. Pourquoi 4 derrière? Pour ne pas que le soleil se barre en arrière à cause des Averot. Et pourquoi en avant? Pour ne pas qu'il ose affronter le monde seul. Parce que les anges détestent que les humains fautent. Donc Dieu va poster 4 anges devant, 4 anges derrière, des malachas sheret, des anges à lui personnel, comme une armée personnelle, pour ne pas que le soleil de lui-même ose prendre les devants en disant « Je refuse de... » Comme quoi, par exemple, on a vu que les arbres à la création du monde ont refusé d'obéir à Dieu. Dieu a dit « Je veux des arbres aux fruits. » Qu'est-ce qu'on dit? Non, on veut donner des fruits. On ne veut pas être l'arbre qui va être mangé. Donc, ils ont un espèce de libre-arbitre, mais leur libre-arbitre va toujours en l'honneur de Dieu. Pourquoi est-ce que les arbres ont désobéi réellement à Dieu? Je vous le dirai dès maintenant.
Parce que les arbres ont dit, mais nous on veut tellement t'honorer que si on était des arbres fruits et que les humains nous mangeraient, alors on ne pourrait pas te servir une deuxième fois. Mais si en tant qu'arbre, je donne par exemple des pommes, d'accord, et que la saison d'après je redonne des pommes, ça veut dire que ce que je suis en tant qu'arbre a été capable de dire Boré Périaetz plusieurs fois de saison en saison. Donc ce n'est pas qu'elles ont désobéi à Dieu parce qu'elles ont voulu affronter le Créateur du monde. Elles ont voulu honorer le Créateur du monde. Ça veut dire être encore utile pour toi. Ne m'efface pas en une seule fois, je veux te servir encore plus. Varba la haria. Alors, Arba Arba, Zeshem Avaya Baruchu. Pourquoi Arba devant, Arba derrière? Il y a plusieurs explications. Il y a Yud Kevavke et Yud Kevavke. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde fait briller sa lumière à travers le soleil dans le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça qu'on a la Birkat Ahama qui vient monter. Hama Bigvurato. Bigvura, Gvura, c'est le mot Koar. Koar, c'est les 28 ans. Tous les 28 ans, on fait Birkat Elevana qui vient réunifier, qui vient le nom divin. Birkat Ahama, qu'est-ce que j'ai dit moi? Je dis ce que je veux. Donc, Birkat Ahama et non pas Birkat Elevana. Maintenant, pourquoi 8? Pourquoi 8? Chez la Tova Shaltem, c'est dans la suite du texte. Tout simplement parce que le soleil n'est qu'un faisceau de lumière qui est un avant-goût du monde futur. Et le monde futur appartient à quel chiffre? 8. C'est-à-dire, Zeme Alateva, exactement. C'est pour ça qu'on dit En Hadash mitahat Hashemesh, Avalesh Hadash me Alashemesh. Le 8, dans le chiffre dans lequel nous sommes, le Chama, il appartient au monde 8. Pourquoi? Pour dire que comme le Shabbat est un avant-goût du monde futur, sache que la lumière du soleil qui donne la clarté dans le monde, qui guérit les corps, qui donne l'envie de vivre. Quand tu vis dans un pays ensoleillé, tu as envie de vivre. Et tu te dis, c'est ridicule, ce n'est qu'un avant-goût du monde futur. Donc, le soleil ne fait que venir annoncer ce qui attend le peuple juif, le Hatid Lavo. Alors lui, il dit maintenant, pourquoi devant et pourquoi derrière? Il dit, parce que si c'était devant, il avance d'un seul millimètre, la terre brûle. Et s'il recule d'un seul millimètre, la terre gèle. Arba Elfanea, Shelo Tisrof Haolam, Meaharea, Shelo Titstanen Haolam. Qu'il ne gèle pas. Le Rohim Shachitim et la Vim et Achama, M. Malachim. Ce que je vous ai dit, c'est quoi ces Chitim que Dieu envoie? Ce sont ses anges. Alors il dit qu'en réalité, l'énergie, d'où est-ce qu'elle vient? C'est incroyable. Comme ça, vous allez le savoir. On a posé tout à l'heure une question. D'où est-ce que le soleil prend son énergie? Il prend son énergie du Olam Haba. C'est Olam Hashmini, c'est-à-dire le huitième monde, qu'on appelle le monde futur, qui permet au soleil de se renouveler tous les jours. De là-bas, il prend son énergie. Alors, il donne ici une autre explication du Sefer qu'on appelle Megalé Amukot, celui qui réserve, qui dévoile des choses cachées, qui dit que le mot Chama vient du mot les huit anges qui dirigent. Ça fait en hébreu Chet, Shmoné, donc huit, Malachim même, Haman Higim qui dirige, He. Comme il dit là-bas, Vechem Uvashiesh, Yud Gimel Shemot, le Liba, Shelachama, il existe là-bas 13 noms pour définir le mot soleil, on avance. Comme l'enseigne Pirkei de Rabbi Eliezer, Shavo Hashemesh Lamezrach, Chochetz, Banar, Esh, Veole, Leahir, Al, Haaretz. Alors il nous dit comme ça, Rabbi Eliezer, Shavo Hashemesh Lamezrach, quand il vient dans l'est, pour se lever, Chochetz, Banar, qui vient que le soleil se lave dans le fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre. En réalité, où est-ce que se lève le soleil en général? Où est-ce qu'il se lave? Dans l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Il faut remarquer que tout le monde adore voir le soleil se lever de l'océan. Cet effet d'optique que nous avons, il nous explique qu'en réalité, les rayons du soleil, en réalité, ils se lavent dans l'eau. Mais de quoi ils se lavent? Alors ici, au début, il dit « Banahar ». Et je vais aller arriver à la Haaret. Et seulement après s'être lavé dans les rayons du soleil dans l'eau, il décide d'éclairer la terre. Et seulement à ce moment-là, on est capable de renouveler le début de la création du monde. Et c'est ce que feront aussi les étoiles, écoutez bien, la lune, les étoiles et toutes les mazalotes, comme ça dit Rabbi Eliezer, vont se tremper qui verront comme un miroir. Pour se nettoyer de quoi? Car en réalité, ils ne peuvent pas aller voir le Créateur du monde avant qu'il se soit nettoyé. Mais nettoyé de quoi? Bon, irait.
Ba'em. Et de quoi est-ce qu'ils ont besoin, d'après vous, de se nettoyer les étoiles, le soleil et la lune, dit Rabbi Eliezer, dans Pirkei de Rabbi Eliezer? Il dit tout simplement du venin du serpent. Qu'est-ce que c'est que ce traluide de Francis? Quel serpent et quel truc? De quoi est-ce qu'on parle, d'après vous? Vous avez une idée? De la faute originelle. Pas vraiment. Des fautes que l'on fait de nous tous les jours ici. Et absolument, écoute bien la suite. Ça fait redresser les poils à la veille de Rosh Hashanah. Écoutez bien, c'est très fort. כפי שברנו לאל במחמש רמנו שנה אר מסמל את החוץ שהשכינה שורה בחוץ וכו' וכו' שבכל יום ויום שהחמה זורחת עד שהיא שוקעת וצווחת ואומרת לאדם car il faut savoir comme dans le midrash Tanchuma que les anges du soleil crient de toute leur force בכל יום ויום chaque jour שהחמה זורחת au moment où le soleil commence à briller étendre son ses rayons עד שהיא שוקעת jusqu'au moment où elle se couche וצווחת et elle continue à hurler. Qu'est-ce qu'elle dit? Ces explosions que vous avez sur le soleil disent la Adam Gozrani alecha alta vorbi. Moi je ne me présente devant toi que parce que le Créateur du monde m'a ordonné de venir briller ce jour. Mais que ce jour? Le lendemain il va recevoir encore un ordre. Alors je t'en prie, et avera azot, arrête de faire des péchés. Parce que moi je participe à tes péchés, parce que si je ne me suis pas levé le matin, tu serais gelé. Tu n'aurais pas de lumière, tu seras en panique, tu serais déjà mort. Donc si tu fautes quelque part, c'est aussi à cause de moi. Donc toute ta avérote, je les respire. C'est comme un mec qui fume à côté de quelqu'un d'autre. Donc regardez bien ce qu'il dit. Et qu'est-ce que demandent les anges? Pourquoi est-ce que le soleil, il faut à chaque fois, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que Dieu est obligé de les chadesh, mais chadesh b'cholion, tu vois ma sébérichit? Le soleil, il veut se barrer. Il ne veut pas rester à cette place là où il est. Et c'est les anges qui le maintiennent. Et pourquoi? Regardez ce qu'il dit dans le texte. De'ahamat sovachad, car le soleil crie, Altish tamshu be'ora la'avera, ne venez pas m'utiliser vous dans la'avera. Moi, je suis là pour éclairer le monde de la Torah, pas le monde des péchés. De'vazé pogaim b'hashma la'ahama. Et il faut savoir, il dit que chaque fois qu'il y a des avérotes sur terre, on touche le magma qui se trouve au centre du soleil. Il dit, ce soleil-là, ouais, il ne devient plus un soleil de bienfaisance, mais il devient un soleil qui t'amènera les maladies du cancer de la peau. Il va t'apporter quoi? Des brûlures sur toi. D'où est-ce que ça vient? Avec le soleil, il a été créé avec la lune pour faire du bien. Il te dit, non, à cause des fautes où on est pogem ba'em, comme là, ce qu'ils veulent faire maintenant à Paris, ils veulent faire les plages nudistes à Paris maintenant. Nouvel truc, nudistes à Paris même. Se montrer intégralement nu, alors que ça s'appelle Klipat Noga. Au début, l'homme et la femme étaient nus de façon spirituelle. Une fois qu'ils ont fêté, Dieu leur a fait des vêtements. Il faut s'habiller. On ne se montre pas nu comme ça devant Hachem. Dieu remplit le ciel et la terre. Il dit toutes ces avérotes que nous faisons, qui sont reliées essentiellement à quoi? À la znout. Je vous explique en deux mots, je fais une parenthèse pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle. Toute la faute, le monde, enfin, je dis clairement, le vendredi de la création du monde, c'était Erev Rosh Hashanah. C'était Shabbat et c'était Rosh Hashanah. Vous le savez, puisque Ayom Arat Olam, Alef Betishré. C'est-à-dire, pas compliqué. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés la veille de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah même, lui-même. C'est-à-dire. Ils ont mangé du fruit interdit. C'était quoi le fruit interdit? Vous avez compris. Ils ont été ensemble. On parle de spiritualité. La Chokhmah et la Bina, c'est pour ça qu'il a dit Ah, Etz Adat. Qu'est-ce qu'engendre la Chokhmah et la Bina quand ils vont ensemble? La connaissance. Celui qui ne comprend pas ce que je dis, c'est pas grave. Je m'adresse à celui qui a un peu plus d'études, là, dans cette parenthèse. L'honora. C'est-à-dire. Quelle a été la faute, en réalité, quelle a été la faute? C'est qui se sont unis à quel moment? Avant Shabbat. Et avant Shabbat, qui dirige le ciel? Le soleil. Ils ont entaché le soleil. Ils ont entaché le Chama. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'amour, entre guillemets. Quand le soleil s'est levé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entaché le Zera. Le Zera, ça veut dire qu'ils se sont rendus impurs. Cette première impureté a entaché le soleil du Gan Eden d'en haut. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Adam Arishon, descend ma première lumière et descend dans un monde en bas. Un monde où le soleil vivra dans l'obscurité. Ça s'appelle la terre. Et là-bas, il lui a fait un vêtement de peau, en lui disant, maintenant couvre-toi. C'est pour ça que dans la Torah, on nous demande de faire l'amour à son épouse, uniquement la nuit, surtout pas pendant le soleil. Et pourquoi pas pendant le soleil? Il te dit tout simplement, parce que le soleil, il souffre de cette première faute originelle. C'est pour ça que si Chas v'Shalom,
l'envie prendrait à l'homme absolument d'avoir envie de sa femme pendant la journée, alors dans ce cas-là, il devra faire sa chambre totalement sombre et être sous un drap. Les gamres. Pourquoi? Pour ne pas que les rayons du soleil participent à cette union-là. Mais si Adam et Rishon avaient attendu la nuit, qui correspond au monde de la pudeur, donc la lune qui vit dans l'obscurité, qui ne brille que par l'émanation du soleil, c'est-à-dire Klisheni, alors cette union aurait été kadosh, c'est pour ça que les tzadikim attendent le vendredi soir, qui représente le jour de la réparation de la faute, dans la nuit pour s'unir à leur femme. Ça, c'est le chemin des tzadikim. Et c'est ce qu'on va voir avec le tzadik, le sefa tzadik et tzadik et sodolam. Vous allez comprendre. Hein? Après Chatzot. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Va'ofrim oto lenachash. C'est-à-dire que le soleil dit qu'il a été créé que pour le bonheur. Nachon? Quand on veut représenter un astre qui représente le bonheur, c'est le soleil qu'on dessine. Il te dit bizarrement, maintenant ce soleil, il se transforme en quoi? En nachash. Ça veut dire que ce soleil n'est plus bénéfique. Donc, trop chaud. Ou alors, pas assez chaud. Il n'y a pas de choses qui sont agréables. Qu'est-ce qui provoque ça? La température du soleil, qu'est-ce qui va la provoquer? La conduite de l'homme. La conduite de l'homme va influencer sur l'émanation du soleil sur terre. Comme c'est marqué, vous, que Hatan yote mechupato. Car il est comme un Hatan qui sort de sa choupa. Mais Hatan zenichnas gibor ve elote chalouche. Tout comme ce Hatan qui rentre gibor. Et après l'union qui ressort faible. Car Hachem echote du gibor. Tous les matins, le soleil renouvelé par le créateur du monde sort fort. Venichnas chalouche. Et le soir, il rentre faible. De quoi il rentre faible? Mais avonotem shel briot. À cause de nos fautes, le soleil, tous les soirs, il se couche et il s'assombrit. Pourquoi le soleil ne se couche pas dans sa otzma telle qu'il s'est levé? Pourquoi est-ce qu'il se couche et il s'affaiblit? On le voit de plus en plus faible, il change de couleur, comme quelqu'un qui est fatigué. Il dit, tu sais pourquoi? À cause d'Averot. Il est imbibé d'Averot et il passe de l'autre côté du monde. Il recherche des gens qui ne vont pas voter. Mais quand viendra le Melech HaMashiach, qu'est-ce qu'on dit? Le soleil et la lune brilleront. Ouh, comme dit la Gemara dans Maseret Avodah Zara. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Kadosh Baruch Hu va montrer un soleil qui sera tellement fort que seuls les tzadikim pourront le supporter. C'est la lumière de la Torah qui te permettra de pouvoir supporter la lumière du vrai soleil. C'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui comme soleil, c'est un soleil de tikkunim. C'est pas un soleil qu'on attendra vraiment pour le salat la tidlabo. Quand tu auras Triat HaMetim, on n'aura pas ce même soleil. On aura un soleil de l'origine des choses. Il dit, pourquoi? Il dit, le Khatan, quand il est sorti pour aller se marier, il était Tahor. Quand il est rentré, il est rentré Tahor. Quand il est ressorti, il est Tamé. De quoi est-ce qu'on parle? Le Khatan, avant de se marier, il n'a pas touché sa femme. Ah, Yatsa, il a fait Nikhnas Tahor. Il dit, le Khatan, c'est Tamé. Quand il partit avec sa femme, Bétar, il va encore une petite goutte de Zera qui va sortir de lui. Ça va le rendre impur. Et puis, il dit ainsi le soleil. Il vient comme un Hatan. Mais quand il ressort le soir, il rentre tamé. Il sort Tahor le matin, il ressort impur le soir. Et là, le Soda Hashman nous dit, et les gens doivent être conscients que chaque faute que nous faisons, la Jonara, Motsi Shemra, tout ce que l'on voit à la journée, c'est Pogembo, Mazé Pogeabo. Ça l'humilie le soleil. Et il dit quoi? Tu te sers de moi? Moi je suis un serviteur de Dieu et toi tu te sers de moi pour la faute. Si vous regardez bien, comment tu écris le mot Chama? Chet. Chet. Comment j'écris le mot Chet? Chet, Yud, Taf. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté quand j'écris la lettre Chet? Yud, Taf. Gardez-le en tête. Même, même, même. Qu'est-ce que j'ai en plus? Même. Donc ça fait même, Yud, Taf. Ensuite, Hé, hé, hé. Qu'est-ce que j'ai en plus? Hé. Hey. En tout, ça fait quoi? Même, yud, taf, hé, mita. Pourquoi on l'appelle Hama? Et non pas Shemesh. Il dit Hama, si tu prends les lettres de l'intérieur du mot, Hama, c'est les lettres du mot mita. C'est-à-dire que le soleil, chaque fois qu'il se lève le matin, il sait que ça va être une mise à mort de la journée. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de participer au massacre qui se passe en ce moment en Syrie, toute l'injustice qu'on dit sur le peuple juif. Il subit tout ça, le soleil. Et il rentre le soir dégoûté. La reine, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Ah, le créateur du monde est obligé. Il console le soleil. Il retourne demain. Je veux pas. Je veux pas servir de lumière pour ça. Car le soleil, comment il appelle ce monde? La mort.
Il refuse tous les matins le soleil de se lever parce qu'il dit à Dieu, je n'ai pas envie d'éclairer la mort. C'est un monde où les gens sont trop orgueilleux, trop de colère, trop d'insultes. Toutes ces insultes comme ça qu'on dit, toute la journée, je vais te faire, va ceci, va cela. Le soleil s'en retrouve attaché, entaché. C'est un soleil qui est fort et qui repart faible. C'est un soleil qui est pur et repart impur. Et particulièrement une faute qui ne supporte pas le soleil. Les fautes de la débauche. Et ces fautes-là provoquent chez lui une énorme, énorme, on parle du soleil, faiblesse. Il dit que si le soleil n'était pas entaché par nos fautes, il n'apporterait qu'une pureté et un bien sur terre, tel qu'il nous guérirait de nos maladies. D'où est-ce qu'on a appris ça dans le Midrash? Qui est le premier à avoir soigné toute la terre avec la force du soleil? Dans le Midrash, connu, Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a pris une pierre, il a demandé à un ange de lui apporter une des pierres du soleil. Et avec cette pierre-là, Avraham Avinu, il guérissait tout le monde. Alors Eric Tutu, il a envie de me dire, moi je comprends rien. La maladie, c'est pas Yaakov Avinu qui l'a demandé. Comment est-ce qu'Avraham il pouvait guérir avec une pierre prise du soleil? D'abord, à 70 millions, trouver une pierre qui réside, c'est quand même vachement balèze. Il dit, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a pris du magma de l'intériorité, une roche, une pierre qui est indestructible, tout comme le Neskoy. Il l'a donné en cadeau à Avraham Avinu. Alors comment c'est mystère que d'un côté, la pierre d'Avraham Avinu qui venait du soleil était capable de guérir de toutes les maladies, alors que la maladie n'existait pas, qu'elle est venue que quand Yaakov, vieux en Égypte, a supplié, « Ve'iné, Yaakov Cholé, Ve'iné, Mazé Ve'iné, pas Va'iné, le mec fait le gâteau. Ve'iné en hébreu, ça veut dire, et voici, ça veut dire quoi, et voici? Ça veut dire qu'avant nous, il n'y avait pas. Ah, le Chachamim, il dit, mais non. La maladie n'existait pas, mais celui qui se battait, qui avait pris un coup de couteau, qui avait coupé une artère, c'est pas une maladie, ça, il mourait. Ah, qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? Il prenait cette pierre, il la posait sur la coupure, et ça cicatrisait tout de suite. Celui qui posait cette pierre, il guérissait de toutes les maladies, pas les maladies, de tous les mauvais coups. Si, par exemple, tu chutes de 10 mètres de haut, 15 mètres de haut, la personne s'écrase en bas, elle mourait, c'est pas une maladie. Avraham Avinu, s'il était présent, il la posait sur la plaie qui avait été frappée sur la nuque et tout se guérissait. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner tout ça, quoi? Que le soleil, c'est madame docteur. Yeah, madame docteur, madame soleil, il est venu, il va me guérir. Non, le Midrash, il vient t'enseigner que le soleil, à la base des bases, est là pour nous guérir de tous les problèmes. Le soleil a été créé comme étant le médicament du monde. Alors comment se fait-il que le soleil ne remplit pas ce rôle aujourd'hui? La réponse est là. Shemesh mle'a klipot. Elle est remplie de klipot et elle n'arrive pas à faire passer son bien-être. C'est pour ça qu'elle dit à Dieu, pourquoi tu veux que je me lève le matin? Puisque moi, en réalité, je suis là pour guérir les gens de tous leurs problèmes. Essentiellement, lequel? Les problèmes de mental. Quelqu'un qui n'a pas le moral, qu'est-ce qu'on lui dit? Va au soleil. Ma perouche d'Ava, va te ressourcer au soleil. Car le soleil ressource les hommes. Et le soleil, aujourd'hui, n'arrive pas à te ressourcer. Pourquoi? Plus il y a d'Averot, et moins le soleil arrive à te guérir. Il dit, le soleil est d'une telle puissance que quand Dieu l'a créé, qu'elle pourrait nous soigner et nous rendre même purs. Il dit qu'il faut faire aussi attention quand tu vas avec ton épouse. D'y aller, parce que les mezikim, les chines d'alet sortent et pullulent dans l'atmosphère. À cause justement de quoi? De la faiblesse qui gère pendant ce temps Verouim chez la Mezikim, Yesh Achiza Bechulcha chez Batashmish. Et c'est pour cela que le fait d'aller avec son épouse rend l'homme faible, Bechulé, sans rentrer dans tous les détails, et que c'est des moments qui permettent aux Mezikim, c'est-à-dire aux démons, de pouvoir avoir une Achiza, de pouvoir s'y tenir parce que c'est des moments de faiblesse chez l'homme. Comme l'enseigne Zohar Chadash, dans la paracha de Bereshit, à la page 19 à Moudbet, il m'a Hashem et Shmitrahetz Beyam Okianus, Ayas Soref ou Mokid, ou avoir. Et de Kola Olam. Si ce n'était pas par le biais que le soleil trempe ses rayons dans l'océan qui est appelé Migvé Amaïm, qui est un Migvé pour lui, sachez, dit le Zohar Kadosh, que le monde serait détruit en une seule seconde par les rayons du soleil.
C'est-à-dire que tous les matins, il faut savoir, nous dit le Zohar, que les rayons du soleil se trempent dans l'okanus pour se rendre pur. Et c'est pour ça qu'on dit tous les jours, le matin, le soir, au Créateur du monde, de gérer le monde. Pourquoi ? Car il est de la volonté du soleil de vouloir brûler la terre chaque jour pour le nettoyer de ses fautes et créer un univers pur. Waouh ! Et c'est pour ça qu'elle va se calmer dans l'eau qui est le Chesed. Le soleil, c'est Midat Adin. L'eau, c'est Midat Chesed. Et c'est pour ça que Dieu permet au soleil de pouvoir se refroidir, qu'il vient se calmer en y mettant ses rayons dans l'eau. Maintenant, il y a une autre façon de calmer le soleil. Il y a une autre façon de mettre le soleil en confiance et que le soleil puisse se protéger toute la journée de tous les malheurs qui puissent arriver. C'est ce qu'enseigne le Ari Akadosh. Quand ? Au nom du Tehilim, Aïn Bet, 72, verset He, 5. Ira ucha, pas ira ucha, michan ira, ira ucha, et tu seras vu. Ima shemesh. Il faut que tu sois vu avec le soleil. Velifne yareach, d'ordorim, et devant la lune, de génération en génération. De quoi est-ce qu'on parle? T'as une idée? Prière de quoi? Du matin, sois précis, je comprends rien. Yafé! As dis-le! Iraoucha! Alors, maintenant, il y a quelque chose de très fort. Si les enfants d'Israël se lèvent tôt, et que c'est eux qui attendent le soleil pour parler à Dieu, le soleil a toutes les raisons de rester calme et d'embellir le monde et même de le soigner. Et c'est ce qu'enseigne le Ari Akadosh. Tout celui qui prie en Netzachama peut être certain qu'il n'y arrivera rien de la journée. Et pourquoi? Parce que ce sont les anges du soleil lui-même et le soleil lui-même qui reprennent leur tarkif de pouvoir les protéger. Maintenant, vous avez entendu ça? Regardez ce que ça veut dire au niveau de l'écriture. Pele Plaim. Regardez ce qu'il s'est prié au Netzachama. Iraoucha im ha-shemesh lifnei yareach dor-dorim. La Gemara dans Masechet Brachot Bedaf Tet Amud Bet nous dit l'omedet mikan shesh mitzvah. Il y a une mitzvah. De quoi? De l'ikro shema Israël shaharit im ha-netzachama. Et pourquoi maintenant de dire dafka le Kiryat Shema, parce que c'est le sceau d'Hachem. Et qu'est-ce que c'est Shema? Ol Malchut Shamarim. Et si tu dis Shema le matin, H au Netzachama, Shema c'est Shin Mem Ain. Shaharit Shin Minha Mem Arvit le soir. Ça veut dire qu'en te levant le matin en faisant le Kiryat Shema avec le Netzachama, tu es en train de donner de bonnes raisons au soleil de briller pour toute l'humanité. Mais pour cela, il y a marqué Iraoucha. Qui s'est misé Iraoucha quand les anges y voient que les juifs sur terre se lèvent le matin pour faire le Kiryat Shema au moment du Netzachama, pour prier dans la Amida? Alors le soleil lui-même, il dit, maintenant j'ai toutes les raisons de rester calme et redevenir un soleil positif pour toute l'humanité. Et c'est ce que nous enseigne le Ari Akadosh. Il n'y a pas plus que celui qui se lève le matin tôt et qui dit à la nature, réveille-toi. Quand toi, l'homme, tu attends le soleil, alors le soleil ne peut plus dire, je suis coléreux. Vous avez des explications uniques que nous livre le Sod HaHashmal. Celui qui n'est pas aiguisé au niveau de l'esprit de ce genre d'études, il dit, je n'ai rien compris à ce qu'il raconte. Le Sod HaHashmal, le lundi soir, s'adresse à des gens qui ont un bagage d'études. Mais bon, ceci étant, je trouve que je suis quand même vachement clair, quoi. Donc, c'est là. Mais j'ai pas fini. On a encore plusieurs feuilles à faire. Regardez la suite, Zematok Advash. Alors que le soleil vient maintenant seulement d'arriver, effaré par la lumière de la Shekhina, et déboussolé par le monde des clipotes de la nuit où les gens sont partis en boîte de nuit, des femmes mariées qui sont parties avec des hommes, des femmes qui sont tombées enceintes d'enfants incestueux, toute cette saleté d'homosexualité, l'homosexualité, la débauche, toutes ces choses qui sont sales. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il y a des imbéciles qui ont osé provoquer le Rav Yosef Citruc parce qu'il a cité un verset de la Torah. Il a cité un verset de la Torah qui a dit que c'est une abomination l'homosexualité. On va lui faire un procès. Mais vraiment, comment on peut avoir un esprit aussi stupide? Mets un jour une caméra de ce qui se passe dans le lit avec deux homosexuels et tu me diras si c'est propre. Tamloumit Bayeshim, il n'y a pas de honte au niveau de l'esprit, il n'y a pas un peu de... On n'est pas devenu fou aujourd'hui? Il y en a qui veulent prendre l'étendard de l'immoralité pour dire que c'est moral. Mais ça ne va pas, votre tête.
Ça va pas la tête des gens, ils sont devenus fous les gens. Baba, je vais te donner une bonne recette. Tu fais couler un bain avec plein de glaçons dedans. Tu te mets dedans, ça va te calmer tout de suite. Voilà, on avance. Exactement, ma chère viendra quand Esav perdra la tête. Et bien justement, tu verras que les versets qui constituent la klipa que sur le soleil, klipat noga, ça fait les initiales du mot Esav. C'est vraiment Hashem Ishmor Virachem, que le peuple juif se réveille de cette klipa et qu'on redevient des gens normaux et des gens purs au niveau de l'esprit. On est devenu fou, pas chou, fou. Une fille qui est enceinte avant le mariage, c'est d'une naturelle. La fille qui rentre avec sa copine, c'est mon mari. Le mec qui rentre, il dit, c'est ma tarlouse. Attends, mais tu vas où, là? Tu fais quoi de ta vie, là? Ça va? Tu vas bien dans ta tête? T'as des filles qui viennent voir leur père, elles sont en jupe hyper courte, tu vois leur culotte. Salut papa, ça va? Mais attends, mais on vit où? C'est vous qui n'êtes pas normaux, c'est nous qui sommes normaux. Remettez les choses à leur place. À l'époque de Dorothée, bon, c'est vrai que c'était à l'époque. Si une speakerine venait décolletée, elle était virée. Pas à poil, décolletée. On avait honte d'être homosexuel. On avait honte de mentir. On avait honte de voler. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis dans le forex, j'arnaque. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Mais vous êtes devenu fou ou quoi? Si t'es ce que c'est, personne ne peut te juger. Ça, c'est entre toi et Dieu, d'accord. Mais t'en rentres pas. Après, je vais faire un procès. Idiote. Une femme qui voulait attenter un procès la semaine dernière au Rabbi Yosef Sitruk. Parce qu'il a cité un verset de notre Sainte Torah. Marchema v'zichra. Quel petit esprit on peut avoir. Quelle assimilation, combien de clipotes on peut avoir sur la tête. Combien on peut être descendu bas dans l'esprit. Combien? Ah, enfin bon, l'homme est chané. On va. Même le soleil, Clark, il m'a dit, j'en peux plus. Le soleil m'a dit d'ailleurs de vous dire à ceux qui font des péchés, arrêtez de me chauffer, il a dit le soleil. Ah, et quand est-ce qu'on a prié mincha? Dédoumi, écoutez bien. Dimdoumé. Vas-y, dimdoumé. Oui, c'est presque... Hein? Donc, donne-moi le mot. C'est ça le problème. Quand il devient rouge. Vous savez pourquoi le soleil, toujours quand il se couche, dit le Zohar HaKadosh, devient rouge? Vous savez quand est-ce qu'on est rouge? Qu'on a honte. Le Zohar HaKadosh, il dit, tu sais pourquoi Dieu il a fait en sorte que le soleil, il devient rouge quand il se couche? Parce qu'il a honte des avérotes avec lesquelles il doit se représenter devant le Créateur du monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fait méode. Alors ça, c'est la suite. Tu l'as devancé, tu l'as lu? Alors, c'est pour ça qu'il dit, le Ari HaKadosh, il dit, il faut faire surtout Mincha Ktana pendant la semaine. Et pourquoi? Il dit, parce que comme maintenant, tu vas faire Mincha Ktana, tu vas faire le Korban Ben Arbaim, le Korban de la prière va adoucir toutes les clipotes. Et le soleil se recouche avec le courage de se relever le lendemain. Mais si c'est Shabbat, étant donné que c'est Shabbat Shalom, donc la Kdusha du Shabbat englobe, y compris le soleil. C'est pour ça que c'est marqué dans la prière de Shacharit, on parle beaucoup du soleil et de la lune. On va parler de quoi? Hein? Et c'est pour ça que le soleil s'en va. T'as tout compris. Pourquoi est-ce que le soleil ne brille pas la nuit? Et la preuve en est, où est-ce qu'on voit des endroits où le soleil brille la nuit et le jour? Là où il n'y a pas d'humanité. Là-bas, il n'a pas de raison de se coucher. Et pourquoi il se couche là où on est nous? Parce que dès qu'il y a la nuit, ce sont les corchotes du din qui viennent, le soleil préfère partir. Parce que là, il ne pourra pas résister. Alors, il va simplement envoyer ses chitzim sur la lune, qui est une planète morte et éteinte, qui va donner son émanation à lui de loin pour éclairer. Mais lui-même ne peut pas rester pendant la nuit. Il ne supporterait pas les avérotes de la nuit. Sauf que s'il y aurait le jour et pas la nuit, il y aurait donc moins d'avérotes. Je n'ai pas compris. Si on dit qu'il pourrait s'en prendre pendant la nuit, mais s'il n'y aurait pas de nuit, il n'y aurait pas toutes les avérotes
Ça veut dire que si les gens ne pouvaient pas fêter, par exemple, il y a des lieux comme des îles, sans donner leur nom, en Grèce, ou tu vas prendre Ibiza en Espagne ou autre, ils n'attendent pas la nuit pour faire des bêtises. Hein. C'est le jour et la nuit, c'est 24 heures sur 24. C'est une boîte de nuit, c'est une boîte de jour. D'accord. Aval, quoi qu'il advienne. Hein? En plus, ouais, il a raison, ce qu'il dit, Jonathan. On dit une boîte de nuit, on ne dit pas une boîte de jour. D'accord. On va en boîte de nuit. La boîte qui appartient à la nuit. C'est là. Top. Donc, Dedoumia, il dit comme ça. Shayariach yotzet la olam. C'est pour ça que Rashi dit que la prière de Shacharit, sa mitzvah, c'est avec le Netzachama, pour encourager le soleil à se lever, car lui fait vivre le monde. Il dit maintenant que le temps de la prière de Arvit, c'est Tzetakochavim. Pourquoi ? La Gemara nous dit dans Brachot Bet Amud Alef, il est impératif d'être en prière au moment où se couche le soleil, donc Mincha, et apparaissent les étoiles, donc Arvit, pour accompagner et donner vie à ce que nous faisons par le biais de la prière. Comme il dit, des zman shachemesh ariyar kochavim yotzim ilifnei kadosh baruch hu ba'im la'ir em ba'im imprinat nikiim me'anachash. Car quand eux ils ressortent, les étoiles, le soleil et la lune de devant Dieu, ils se sont nettoyés de toutes les clipotes du monde. Et une fois qu'ils ont pris l'autorisation de Dieu de revenir, Otpam, ils doivent retomber dans cette situation. Et quel rapport avec le Kirat Shema? Donc le jour et la nuit, Urshor Becha ou Kumecha. Le jour comme la nuit, on fait le Kirat Shema. En réalité, le Kirat Shema, ils sont que Neged, Yareach, Velevana. Ils sont contre le soleil et la lune. Quel rapport entre le Kirat Shema et le soleil et la lune? Manien, c'est ce qu'on va découvrir. Uzman Zen Shachamal Velmaï Kochavim Nikime Anachash. Zezman Matim Beyoter Leit Khadesh. Alors maintenant, vous allez comprendre. Il apporte un chidouche magnifique ici. Magnifique. Pourquoi on doit faire le Kirat Shema au Netzachama? Et pourquoi on doit faire le Kirat Shema à l'apparition des étoiles? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est des Oraïta. Mais la question, pourquoi à ce moment-là précis? Pourquoi? Parce que ça vient nettoyer. Comment il vient le soleil au Netzachama? Comment on dit le matin Netzachama? À l'aurore. Comment il vient le Shemesh? Il revient d'où? Hein? Levé du soleil. Il vient d'où le soleil selon Zohar? Il vient d'où le soleil? Comment le soleil, il a pris son autorisation avec les quatre anges devant, quatre anges derrière? Il revient de chez Dieu. Est-ce qu'il est propre ou il est sale? Il est propre. Alors regardez maintenant dans le texte. Maintenant, quand viennent les étoiles qui ont pris leur autorisation de briller pendant la nuit, ouais? Selon la Gemara, d'où est-ce qu'ils viennent? De chez Dieu, illuminés par la lumière divine, nettoyés de leurs fautes, des clipotes, pardon, pas de leurs fautes, mais des écorces des fautes des hommes. Ouais? Donc, quel est le meilleur moment pour joindre la pureté à la pureté? Netzachama, Netzachama. Il te dit ici le Zohar, tu sais pourquoi il faut prier absolument Netzachama? Parce que le Netzachama, c'est avant, c'est le moment où il vient sortir seulement du palais du roi des rois. Donc, quand il arrive, il est encore pur. Donc, maintenant, prie! Cette force-là, elle est unique, parce que le soleil n'est pas encore empreint de l'impureté et des fautes, et de l'autre côté, les étoiles ne sont pas encore empreintes. Donc, dès qu'elles sortent, dès que ça arrive, n'attends pas. Imaginez, maintenant, le soir arrive, t'as pas fait Arvit, ok? T'as pas fait Arvit, c'est pas grave. Arvit, tu vas à prière à 9h30 Arvit. D'accord! Mais dès que sortent les étoiles, fais ton schéma Israël. Et pourquoi? Alors maintenant, je vous lis ça, je vous expliquais, je vous lis dans le texte, c'est très bon encore, regardez. Maintenant qu'ils sont nettoyés de toutes les impuretés du nachash, c'est-à-dire de perpétuer la faute de l'homme, il n'y a pas un meilleur temps pour prier. L'itraber la kadosh baruch hu derech chashmal shaliyadei kirat shema utfila deefshar leazer nitzotzei achama ulevana lekochavim shebaim yatov shebanoga. Et dit ce moment-là précis, étant donné qu'ils ne sont pas encore empreints de l'impureté du monde, le soleil est au moment le plus positif de la création du monde. Et lui-même devient un avocat devant Dieu pour toi. Parce que les deux cèdent. Comment? On n'a toujours pas expliqué quel rapport entre le Kirat Shema. Que juste Rabbi, la Kadosh Baruch Hu, Nitzotzim,
Helu em chashmal amilu bash banogad el el, c'est un peu profond. Et rocha shemesh, c'est pour ça qu'on nous dit dans le Tehilim, et on te verra avec le soleil yahad im shemesh ta'inu she'ezrenu b'shemesh kedei litpalel v'ikrut kiryat shema. V'chan matzinu zechem zemesh kachrut im shemesh kodem kiryat shema muva b'megilah mukot shemesh ve'ad bash ou bet yud bet. Alors on dit comme ça, je fais une parenthèse importante parce que c'est pas ce que je voudrais développer avec vous, c'est un peu long. C'est que quand tu prends le mot shemesh ve'ad bash, ad bash, vous savez c'est quoi? C'est quand tu prends l'alphabet Taf, Aleph, en face, ta, ça nous fait Bet, Yud, Bet. Ce sont des initiales d'un verset qu'on dit tout le temps, qui dit Shem, Gadol, Shetzarich, Bet, Yud, Bet, c'est un des noms de Dieu les plus puissants qui existent dans la Kabbale. Et ce nom-là, on le dit quand? Quand on dit le soir, Abocher, Be'amo, Israël, Be'ava. Quand je dis Abocher, Be'amo, c'est quoi la première du mot Be'amo? Israël, Be'ava. C'est-à-dire que le fait, le soir, bête ou bête, les initiales de Abocher, Bamo Israël, Be'ava, c'est justement Réchitivot, Be'a, vive. Je n'avais pas le droit de vous dévoiler ça, apparemment. Si ma voix se bloque, c'est que je ne devrais pas tout dire. Le Zohar nous dit, c'est tellement puissant, vous ne vous rendez même pas compte. La prière du juif, c'est quelque chose de tellement fort, tellement fort. La terre entière en dépend. La terre entière en dépend. C'est-à-dire que le soleil, maintenant qu'il se lève, Tov. Mahou Hashem, j'avance parce qu'apparemment il ne veut pas que j'en parle. C'est pour ça que le matin, avant d'aller prier, il dit ici, je vais les Dalek parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très profondes. Il dit comme ça, « Meramez al zivug yesod malchut ». Il dit qu'en réalité, tout ça, c'est une question de réparation des spirates qu'on appelle « yesod »,« brit mila malchut »,« atrasheba yesod ». D'accord ?« Meramez al zivug ». Et c'est pour ça qu'un homme, avant le matin, s'il peut aller au mikvé pour se rendre pur, il rend encore plus pur le monde par sa rencontre avec sa amida le jour, quand il vient pour prier dans le Kirat Shema, dans n'importe quoi, dans l'Amida. Je parle au Netzach Hama. Et c'est pour ça qu'il dit, Im, comme c'est marqué, Iraoucha, Mazé Iraoucha, la dernière lettre, Haf, Im, Mem, Shemesh, Shin, Shechem. C'est quoi Shechem? C'est là où il y a Sfirat Abrit. D'accord? Et d'un Messamel est à Yosef, Vernon, 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 Qu'est-ce qui pollue l'atmosphère? Quel est le problème de cela? C'est ce que tu... Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? C'est toi? Alors regarde les initiales. Iraoucha, il te verra. Aïm, Aïn, Shemesh, Shin, Velifne, Vav, Yareach, Yud, Esav. Les fautes de Esav polluent l'atmosphère. La débauche dont on parle. Reshitivot, Esav. Amesamel est à Yesod Shebaklipa qui représente le summum de l'impureté. Bernou Mahamad a Yesod Aklipa Mitlabesh à la Shemesh. Et c'est pour ça, quel est le symbole de Esav? Le soleil. Quel est le premier jour dans la chrétienté? Sunday! Jour du soleil. Ils utilisent, dans la Kabbale, en d'autres termes, on explique qu'ils utilisent le soleil pour le rendre obscur comme la nuit. Par la faute. C'est pour ça que maintenant, à notre époque, il y a un problème au niveau des climats. Absolument. Mais, pourquoi tu poses la question? C'est quoi la deuxième paracha de la Torah? Noir, changement climatique, le déluge. Le soleil ne s'est pas levé pendant cette période. Le monde a été envahi sous des flots brûlants. Le magma d'en haut. Le Zohar nous dit que c'est les eaux du Gehinam qui sont intervenues. La terre entière a brûlé à des millions de degrés. D'où les fossiles. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? La débauche. C'est là. Nirei d'Ezman, Shashemesh Otsel, Yesh La Shte Ma'alot. Et il nous dit ici, et c'est pour ça que le soleil, quand il se lève le matin, et quand il se couche le soir, il a deux Ma'alot. Deux. La première, c'est que le soleil se lève toujours propre. La deuxième, quand il se lève, il est rouge. Pas simplement quand il se couche, il a honte. Il dit, il se lève dans l'espoir de trouver l'humilité sur terre, comme quelqu'un qui rougit dès qu'on lui fait appel à lui. Qui veut dire que le chemin, je veux donner l'exemple à l'humanité.
ואז החשמל שמחבר לחשמל דם שנמצא למטה ואפשר לעזר וכו' וכו' שאבנסה פסקי לטה ואומר חמה גבטחייה יוסף וסיבו רגרדה ביין דים דומה חמה La rougeur du soleil, Gematria Yosef, qui était Yosef, le gardien de la Brite Mila. Ou alors Nekeva, on avance parce qu'il est tard. Mikan, je n'irai, j'attends de la Agdim, l'itpalel, mincha, beshabbat, bishat, mincha, gdola. Shana metzach, mitgale, mitzad, akdusha, ayom, bilvat, j'ai mis serré, blablabla. Il dit par contre, le Shabbat, ce que je vous ai dit, il est préférable de prier mincha, gdola. Pourquoi? Parce que la kdusha du Shabbat protège. Donc on n'a pas besoin de. Même Shafalpi, Shabbat, Shavuat, l'itchatrila, l'itpalel, mincha, ktana. L'itchatrila. Il faut prier Mincha Ktana la semaine. Ou Mincha Gdola et Bediavad. Et si tu fais Mincha Gdola, ça s'appelle Bediavad, par rapport à la Kabbale. Par contre, le Shabbat, le Shabbat, Efchar le Khatrila l'Itpalel Mincha Gdola, Ve'adraba ze Adif. C'est même Bechnal préférable de prier Mincha Gdola. Kedel et Kabel est à Orot Shebaimi Mincha, Bemincha, pour recevoir la lumière du jour dans la Gdusha de Shabbat. Regardez ce que c'est le Shabbat. C'est un écran protecteur de toutes les clipotes. Yoter Mugdam, il dit, ce serait dommage d'attendre plus encore. Kefshim Udoyag Mezora Kadosh. Mais comme on a la Seouda Shlishit, il est préférable de faire comme on fait ici. Mais alors, venir et varer, tout ça c'est du Zohar. Le varer, Sheyesh, Tzorech, Le Azer, Bayarir, Betfilat, Mincha, Bezman, Mitra, Ktana, Ouzeman, Devin, on avance. Pour le net, c'est pareil. Ah, maintenant. Le Zohar Kadosh, pardon. Pour le net, c'est pareil pour Shabbat. Bet, Ashrem, Ishimit Palel, le Shabbat, on est Sahama. Va, je voudrais juste finir. Le Zohar Akadosh dans le Tikkuné Zohar, en bas, à la page Kouf, Lamed, Chet, Amoud Aleph, nous dit la lettre Vav, Hu, Hashemesh, correspond dans la Kabbale au soleil. D'accord? C'est pour ça que le petit soleil s'appelle Shimshon. La lettre Vav correspond à la vie, correspond au soleil. Shemir, Beshesh, Tevot. Pourquoi on dit justement que le soleil correspond à la lettre Vav? Shema, Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Combien j'ai de mots? 6. Qu'est-ce qui donne toute la splendeur au soleil? 6. C'est pour ça que le Mashiach, pourquoi il vient pas? Pourquoi il tarde tellement? Parce qu'il y a encore trop de gens qui ne connaissent pas le Shema Israël. Qu'est-ce qui va permettre de faire briller le monde? Grâce, Bezrat Hashem, à la grandeur et la splendeur du Melech HaMashiach, qui est comparé au soleil. Mais la reine, il dit, שש תיבות שמה ישראל, השם אלוקים השם אחד, מבואר על פי דברנו, ועל ידי שקוראים קראת שמה, גורמים שהשמש היא מבחינת שעות וב, תאיר בתוך השש תיבות של קראת שמה. אלא על נוסר בלון, לסולי, נודי לזור הקדוש, דון תות סוני מנסיון, כגרס עשו כידיז לשמה ישראל, לברסי די שמה ישראל, השם אלוקים השם אחד, דון לנרג'י או סולי, לפובר רובריה, רובריה, לפסון פוזיטיב. Le Kriyat Shema mechaberet et Adam la Kadosh Baruch Hu. Parce que pendant le Shema Israël, on se lie au Créateur du monde, Ol Malchut Shemaim. Et c'est cette énergie qui donne la puissance au soleil. Vous venez d'entendre, grâce aux Zohar Kadosh, pourquoi le soleil n'a pas besoin d'avoir une prise énergétique pour continuer à briller. Ce qui le permet à elle de se renouveler constamment, c'est quand sur Terre nous disons Shema Israël. Le soleil. Derech Hashmal. Comme c'est marqué là-bas, Vechen Kochav. Pour ceux qui appellent ça une kocham, mikashrim, kirat shema, c'est l'arvit. Et arvit, qu'est-ce qu'on fait? On fait briller les étoiles. Comment elles brillent ces étoiles? Si vous regardez bien, bidilug, afur, shel, arba, otchot, quand tu sautes les quatre lettres du verset, urshor, becha, uf, kumecha, ça te fait les initiales de quatre lettres, kochav, qui veut dire étoile. Bechol, levavechem, ufron, afshechem, bidilug, afur, shel, shte, otchot, tu retiens les lettres du mot aussi, étoile, j'avance. On me dit qu'à Arabim, Kochovim, Lachem, Lorlam, Vaed, et le Midesh, Tinoche, Shabel, Chaban, et qui fait briller ses étoiles dans toutes les constellations qui font briller le mazal de l'homme sur terre, c'est Tinoche et Betraban qui sont comparés aux étoiles, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Baruch Adonai, Lorlam, Amen, et Amen. Parce qu'après, on parle de Ilani, la reine qui agit en conséquence, patati patata. Vous avez des questions? Il y a quand même quelque chose à retenir de tout ça. La première, c'est que, à la veille de Rosh Hashanah, on prenne grandement conscience que les tzadikim, même quand ils sont sous terre, comme le Rav Yosef Sitruk, comme le Baba Salé, le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, ils arrivent à nous éclairer encore dans la vie. Ils sont comme des soleils. Et que ceux qui ne se sont pas attachés à la lecture de la Torah, le jour où ils partent de ce monde,
Ils vivent dans leur obscurité à eux. Ils ne sont plus une lumière pour l'humanité. Il faudra retenir Bezrat Hashem, ce premier point. Le deuxième point, l'importance de servir Hashem le matin, car le mazal de l'homme, d'ailleurs on a fait un cours sur le mazal à Natania, démarre essentiellement de comment tu t'es levé le matin. D'ailleurs on dit souvent une personne qui est pas chanceux une journée, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu t'es levé du pied gauche. Mazel, tu t'es levé. Marcot lecha matin, je me suis levé. Aval, celui qui veut être au-dessus de la nature, les Parchanim nous ont déjà expliqué que pour être au-dessus de la nature, avoir un mazal qui est dirigé par toi et pas un mazal qui te dirige à toi, il faut que tu sois plus fort que la nature et que tu te lèves avant le soleil. On a vu que grâce à ceux qui se lèvent le matin et ceux qui font la prière de Arvit, y compris Vesada et Mincha, c'est eux qui donnent la force à la nature de pouvoir nous éclairer, nous exister, nous donner pardon de l'existence. Qui hem chayenu veorech yamenu, ce qu'on dit tous les soirs. Et on a vu surtout que s'il y en a qui veulent faire des péchés, ils n'ont pas le droit de dire on fait ce qu'on veut, on fait des guépraïs, on débarque. Parce qu'à cause d'eux, ceux qui font ce genre de choses, ils nous mettent tous dans la pagaille. Nous, on en paye aussi le prix, puisque l'atmosphère, le soleil refuse de se lever. On est face à un combat. C'est pour ça que toutes nos prières sont basées, vous avez vu, tout à l'heure on a commencé par quoi? Que le créateur du monde est obligé lui-même de renouveler, d'ordonner, de mettre des anges. Mais pourquoi? Il dit parce que je me suis levé pur et je me couche constamment, dit le soleil, sale par votre haine des uns et des autres, par. Alors bien entendu, tout ce que j'ai dit aujourd'hui est basé sur l'Aïmouna, mais ce qui est certain, c'est que dans l'histoire, on a vu que les changements climatiques, on a vu que les changements de ce qui se passe dans l'atmosphère dépendent réellement de la conduite de l'homme. La nature change aussi par rapport à l'homme. Les animaux dans la paracha de Noach, eux-mêmes se sont assimilés à la débauche, parce que les hommes se sont assimilés à la débauche, jusqu'à la nature, et Dieu a tout détruit. La reine chez Niske Kulan ou Livnot, qu'on construise ce monstre et qu'on ne le détruise pas, Hasvi Shalom, par un esprit de débauche, des paroles de débauche et surtout des actes de débauche. Zéperoucha d'avoir qu'elle avait de Rosh Hashanah, où Rosh Hashanah vient renouveler la nature du monde, Ayom Arat Olam. C'est surtout sur la débauche qu'on va être jugé. La parnassa dépend justement de cette notification que la vie, même si elle est difficile, c'est un sacrifice comme celui de Yitzhak qui est monté sur le Mizbeach pour faire Bezrat Hashem luire la lumière de la fin des temps. Shenemar, Sohek Mishet Sohek Acharon. Rira bien qui rira le dernier. Et qu'est-ce qu'on aura à y gagner? La lumière du premier jour. C'est pour ça que les nations du monde cherchent à bronzer toute la journée parce qu'ils cherchent leur monde futur sur terre. Parce que c'est la lumière du soleil. Mais nous, les Hébreux, c'est marqué Vayere, Vayiboker, Yom Echad. On vient d'abord dans l'obscurité, on vient travailler le monde de la Torah. On va se priver, c'est pas grave, on va pas manger ça, on va pas se mélanger, on va pas faire d'avérot. Vayere, aval après, Vayiboker. Après, c'est le soleil du monde futur qui nous attend. Ayom la sotam, umahar le kabel, sraram, kol tout.